Chapter 19, verse 1. And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judea beyond Jordan. Chapitre 19. Quand Jésus eut achevé ses discours, il partit de Galilée, et s'en alla dans les quartiers de la Judée, au-delà du Jourdain. And great multitudes followed him, and he healed them there. Et beaucoup de peuple l'y suivit, et il guérit de leurs malades. The Pharisees also came to him, tempting him, and saying to him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui dirent, Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque sujet que ce soit? And he answered and said to them, Have you not read, That he which made them at the beginning made them male and female? Et il leur répondit, N'avez-vous pas lu que celui qui créa, au commencement, fit un homme et une femme? And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall join to his wife, and they two shall be one flesh. Et qu'il dit, À cause de cela l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Why they are no more two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. They say to him, Why did Moses then command to give a writing of divorce, and to put it away? Ils lui dirent, Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce à la femme et de la répudier? He said to them, Moses, because of the hardness of your heart, suffered you to put away your wives. But from the beginning it was not so. Il leur dit, C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais il n'en était pas ainsi au commencement. And I say to you, whoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, commits adultery. And whoever marries her which is put away does commit adultery. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause d'adultère, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. His disciples say to him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. Ses disciples lui dirent, Si telle est la condition de l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. But he said to them, All men cannot receive this saying, save it to whom it is given. Mais il leur dit, Tous ne sont pas capables de cela, mais cela seulement à qui il a été donné. For there are some eunuchs, which were so born from their mother womb. And there are some eunuchs, which were made eunuchs of men. And there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Car il y a des eunuchs qui sont nés tels, du ventre de leur mère, il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y en a qui se sont faits eunuques eux-mêmes pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci, le comprenne. Then were there brought to him little children, that he should put his hands on them, and pray, and the disciples rebuked them. Alors on lui présenta de petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains, et qu'il priât, mais les disciples les reprenaient. But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come to me, for of such is the kingdom of heaven. Mais Jésus dit, Laissez les petits enfants, et ne les empêchez point de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. And he laid his hands on them, and departed there. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. And, behold, one came and said to him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, « Bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle ?» And he said to him, « Why call you me good? There is none good but one, that is, God. But if you will enter into life, keep the commandments. » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?
personne n'est bon, sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. He said to him, which Jesus said, you shall do no murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Il lui dit, lesquels? Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. The young man said to him, all these things have I kept from my youth up, what lack I yet? Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jesus said to him, if you will be perfect, go and sell that you have, and give to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come and follow me. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, après cela, viens et suis-moi. But when the young man heard it saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Then said Jesus to his disciples, truly I say to you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Alors Jésus dit à ses disciples, je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, who then can be saved? Ses disciples, ayant entendu cela, furent fort étonnés, et ils disaient, qui peut donc être sauvé? But Jesus beheld them, and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Et Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Then answered Peter and said to him, behold, we have forsaken all, and followed you, what shall we have therefore? Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, que nous arrivera-t-il donc? And Jesus said to them, truly I say to you, that you which have followed me, in the regeneration when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, you also shall sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Et Jésus leur dit, je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. And everyone that has forsaken houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100 times, and shall inherit everlasting life. Et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou pères, ou mères, ou femmes, ou enfants, ou des champs, à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant, et héritera la vie éternelle. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Mais plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.